Bien, ici, on va essayer de redémarrer un nouveau document dans Illustrator. Donc, Shift-Tab, je me débarrasse des palettes de droite parce que ça commençait à devenir un peu terrible chez moi. Menu fenêtre, panneau 3D et matière. Voilà, panneau 3D et matière. Il y a différentes manières d'arriver là où on va arriver, mais en voilà une. Donc, vous allez dans la partie matière. Et ici, vous devriez avoir l'accès aux bibliothèques de Adobe Stock. Alors, qu'est-ce que ça raconte en gros? Trouver plus de matière sur les ressources substances 3D. Voilà. Vous cliquez là et ça vous ouvre ceci sur le web. Donc ici, on a les matériaux, on a les modèles, les éclairages. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les modèles dans un premier temps. Donc, vous cliquez sur « Modèles ». On va demander les ressources gratuites. Ah, quoique, il faudrait voir si, oui, si dans le forfait que vous avez, votre licence Adobe, vous avez le droit de télécharger certains modèles qui sont payants. Bon, ben, cliquez, regardez. Ça n'a pas l'air si évident que ça. On va peut-être enclencher ressources gratuites, alors, voilà. Là au-dessus, ressources gratuites. Et vous allez télécharger un modèle ou l'autre, essayer de prendre des choses pas trop complexes dans un premier temps. Voilà. Alors, il propose de télécharger ici au format FBX. Donc, c'est bien. Ou GLB, ben, télécharger en FBX. Voilà, et dans le dossier d'aujourd'hui, vous allez le mettre par exemple dans un dossier qu'on va appeler modèle téléchargé, un truc comme ça. Parce que sinon ça va devenir la foire, si on ne crée pas des dossiers, ça va devenir la foire. Alors, FBX, voilà. Et puis... Voilà, je vais en télécharger... un autre. Bien sûr, j'aurais pu faire une recherche sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Là, j'ai pas indiqué dans le champ de recherche ce que je cherchais. Il n'y a rien trouvé sur les... Voilà. Soit il faut se connecter, en effet. Et peut-être aussi cocher ressources gratuites là au-dessus à gauche. C'est peut-être pour ça que tu ne trouves pas de modèles que tu arrives à télécharger. Mais tu ne vois même pas apparaître tes modèles, en fait. Si. Ok, tu les vois, mais ils ne sont pas téléchargeables. D'accord, quand tu demandes de télécharger, ils te proposent de se connecter. Mais connecte-toi alors. Voilà, tu as ton adresse qui t'a été fournie avec ta licence Adobe. Ça devrait fonctionner. Quoi qu'il en soit, voilà, sur le disque dur, on a donc les modèles téléchargés ici. Et on va pouvoir les ouvrir dans Dimension, par exemple. Parce que dans Illustrator, finalement, ça n'a qu'un intérêt restreint. C'était juste pour montrer qu'on pouvait générer des modèles 3D au départ d'autre chose que Dimension. Enfin, voilà, on peut... Oui, même Dimension ne permet pas de générer des modèles 3D, en fait. Hein. Il utilise des modèles 3D, mais il ne les génère pas. Donc voilà, on a utilisé Illustrator, le truc le plus pourri, pour faire de la 3D. Après, il y a d'autres logiciels plus intéressants. Quoi qu'il en soit, ici, fichier, importer, modèle 3D, et... Je vais chercher le bac... Backpack... Okay. Il est là. Pourquoi est-il là? Oups, CTRL Z. Il s'est mis au centre du monde, certainement, en fait, dans la scène 3D.
ce qu'on appelle le centre du monde, mais bon, peu importe, quoi qu'il en soit, il est là. Et par rapport aux autres objets, il est proportionné. Alors ça, c'est important, parce que parfois, vous allez voir que quand vous allez chercher des objets 3D sur le web, et que vous les amenez dans une scène dimension, eh bien, les objets sont surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Il faut, à ce moment-là, le modifier. On fera le test d'aller chercher quelque chose sur le web. Alors, je vais ici importer également l'autre modèle que j'avais téléchargé, le Bentwoodshire. Voilà. Voilà. Et donc... Voilà, je vais enregistrer ça. Le fichier dimension.